Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. J'ai baissé le son. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Hi. Oh, j'en ai des frissons. Ripley ? Oui ? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anessidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris... Pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu? Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Ouais, je pense que ça devrait être bon. Allez hop, on y va. Habillez-vous. Ah, c'est bon, hein. M'en vais, hein. M'en vais. Au revoir. Coquinou, va. Alors, utilisez les bandes d'enregistrement pour sauvegarder votre progression. Là, il y a Wally. Ok. Oh, je prends une petite douche. Mais je suis habillée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Arrête ça. Je suis habillée. Ça, ça a l'air d'être la zone, genre, si tout part en couille. Si tout part en couille, tu vas là-dedans. Ok. Oh! Bonjour! J'arrive, attendez. Alors, bonjour, je m'appelle Lo. Kylira, enchantée. Ah! Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo ? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée ? Elle manque d'expérience en matière de voyage.
hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. On y va, hein. Il y a un... Le bruit... Moi, je bidouille tous les boutons, hein. Je sais tellement pas ce que je fais, mais je le fais. Je sais pas si c'est ce que je devais faire, monsieur, mais je l'ai fait, hein. D'une main de maître. Je sais pas où je vais, hein. D'accord. Putain. C'est rien. C'est rien, je contrôle la situation, hein. C'est rien du tout. C'est juste que le son est un peu fort dans mes oreilles et forcément, ça fait un peu sursauter à des moments. Ce sont des choses qui arrivent. Mais j'ai pas besoin de cartes, moi, les amis. Regardez-moi ça. Taylor, regardez le talent que j'ai. Bonjour. Et bon. Y a rien de bon dans cette journée. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense pas qu'il fasse jour non plus. Dis-moi. Pardon. Je m'assois. Dis-moi. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? T'as vu Samuels? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Bah j'y vais, hein. Pas de soucis, hein. Attendez, moi je cherche des trucs. Eh mais je suis trop forte. Putain, comment je suis trop forte. Bonjour. J'imagine c'est ici le pont. Oh comment je... Pourquoi je peux plus bouger? Mais... Fais gaffe toi, hein. J'étais à l'œil, hein. Bonjour. J'imagine que c'est ici le pont. Le pont, ça doit être là. Ça ressemble à un pont ça. Pas du tout. Oh la vue que vous avez ici. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Oui, ça va. Classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waves, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor. Mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé, calibré. Vecteur d'approche, verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Je ramasse mon briefing. Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Sont chiffrés ou quoi? Pas compris, hein? Pepperoni? Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Oh.
Ripley. Tu t'en sors bien, Taylor. Voilà. Et moi, après, je dois aller là-dedans. Je n'irai pas. De l'aide. Je suis déjà changée en deux temps trois mouvements. Qu'est-ce que je suis forte. Alors, vous m'avez dit de fouiller dans les petits tiroirs et tout parce que c'était très important. Donc, vous inquiétez pas, je fouillerai. Je vais le faire, oui, copain. Vous inquiétez pas. Let's go. Brise de sauvegarde. Brise de save. Stabilité de Sébastopol compromise. Veuillez vous rendre au poste de contrôle du Marshall et y rester jusqu'au réalignement des stabilisateurs orbitaux. Je sais pas lire une carte, on n'est pas dans la merde. Oh là là. Oh là là, on va d'abord aller là où il y a les flammes. Oh, je sais courir en plus. Est-ce que j'ai de la stam? Je vais m'énerver. Putain, mais une lumière, du feu maintenant, ça me fait sûr. Ah voilà, vous voyez ça? Retenez bien ça. Parce que moi j'ai vu des images, hein. Il va là-dedans. Hein. Vraiment beau, hein. Je ne sais pas de quand il date, mais il est beau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va pas lire. Merde. Comment on sort de ça? Oui, pipe en bois. Contrôles sont claqués, hein.
regarde en bas. Apurée. Bonsoir. Hein. C'est pas mal. Je peux passer par deux endroits. Hein. Oh là là, je peux pas repasser. Oh là là, je peux pas repasser. Ah non. Moi, je vais passer de l'autre côté, hein, ça ira. Non, je cours pas. On a dit cours pas. Ah, j'ai peur. Ça y est, je suis prise d'une crise de peur. Ça y est. Le chat, j'ai peur. Ça y est, je le sens. Passer par là. Hein. Ce sera très bien, rien. Arrête. C'est bon ça. J'ai bien fait d'aller là. Les loots. Allez, on va monter cette échelle. Hein. Merci beaucoup, Kimartha. Eh oh. Y a quelqu'un. Ta gueule. Merci King Martyr pour le savoir-faire à Tilliane, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi je chuchote, mais c'est parce que j'ai peur. Merci beaucoup pour le savoir-faire. Y'a quelqu'un? Ouais. Capitaine abandonné. C'est quoi ça? Ah oui. Oh merde. Ah tiens. Utiliser les terminaux pour mettre à jour la carte. D'accord. J'y vais. J'utilise le terminal. C'est le générateur que j'allumais. On y va. J'y vais. Oh putain. Oh
quand je fais dans mon froc. Arrête. Suffit là. Hein? Tu fais quoi de ton schéma? Je m'en fous de faire ça. Ah, c'est le moment, on va créer des medikits. Pourquoi en faire un maintenant? Oh putain. Hein? Comment je le fais? Allez, faites quelque chose de plus simple. Hein? Qu'est-ce qui me manque? Camelot insuffisante. Pas fabriqué là. Arrête. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Toutes les portes. Oh, je viens de faire de la lumière. Pourquoi j'ai fait de la lumière? Pourquoi j'ai fait ça? Ah! Oh non, non, non. Réfléchis. Depuis la station, trouver un moyen d'appeler le vaisseau. Pas bien compliqué. Arrête! Oh putain, je suis au bord du malaise. Je vais m'évanouir. Oh, j'ai une flare, je vais te la mettre dans la gueule. Oh, je te préviens mon petit pote, hein. Hein? Tu me fais pas peur. Je vais te démolir, toi et ta famille. On va pas s'étonner si tu finis en civé, hein. Désolée si je deviens violente, hein. C'est pas moi, je vous promets. Hein? Oui. Faites du bruit. Baisse un peu le son. Vous m'en voulez pas? Voilà, une petite chouille. Parce qu'il est vraiment très fort. Ah, j'ai toujours aussi peur, moi. Allô? Anybody there? Putain, je sais toujours pas parler anglais, ça me terrifie. Oh! Hé! Oh, je sauvegarde. Attends. Oh, un conduit. Je vais sauvegarder avant. Qui sait ce qui pourrait m'arriver? Ah non. C'est la lumière. Oh. Dépêche-toi. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Débranche la prise. On prend pour une conne ou comment ça se passe? Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal. Putain. Par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Qu'est-ce que je viens de faire là? Pourquoi j'ai fait ça? Ah, pourquoi j'ai fait ça? Oh! Je vais faire un medikit, moi. Allez, fais ta merde. Je ne comprends pas comment on fait un medikit. Engager l'élément.
comprends pas. Non, il manque quelque chose, hein. Je sais pas. Tout est en train de partir en morceaux. Tais-toi. Oh putain. Attends, c'est bizarre ça quand même. Ça. C'est bruit avec les patounes. Oh, tu t'étoufferas plus tard, hein, c'est pas le moment, hein. C'est pris pour qui celle-là ? Récupérer ma mère, qu'elle crève. J'en ai rien à foutre, la Riley, machin. Oh non, c'est bon, là, j'en ai marre. Ah, ça commence. Ça commence à me gonfler, c'est bon. Ah, ça commence, hein. On en est qu'à 20 minutes de jeu. Ah, ça commence à m'énerver, hein. Ah. Mais... Ah. Mais sauvez-les tout seul. Ah, j'en ai marre. Mais c'est vrai, j'en ai marre d'être courageuse, de rien du tout. Qu'ils les sauvent tout seuls. Oh, on est dans l'espace, il y a des équipes bien plus qualifiées que moi, hein. Bon, on y va. J'avoue, j'ai peut-être été un petit peu violente auprès d'elle. C'est vrai, j'ai peut-être été un petit peu violente. Excusez-moi, excusez mes propos, c'est la peur. On y retourne. Ceux qui sont morts. Ça doit sûrement être la sortie. Ah, tu crois ? Tu crois que c'est sûrement la sortie ? Outil de maintenance requis. Bah voilà, mais on n'a pas le matériel en plus. Je sais pas si c'est la salle principale là où je vais, mais j'y vais quand même. C'est rouge. Oh bah c'est... C'est chouette comme vue. Chut. Je dis pas un bruit ici, hein. Je vous goume tous, hein. En deux secondes. Plus personne, hein. Dodo. C'est portable les gens comme ça. Donnez-moi du matériel. Un lance-flamme pour lui cramer sa gueule. Mais qu'est-ce que je fais là ? Ah ! Il n'y a pas de courage en fait. Il n'y en aura jamais. Oh, putain !
Oh, on rigole, hein, mais les lupiottes qui pètent, c'est quelque chose, hein, quand même, dans ce jeu, hein. Je sais même plus comment me relever, moi, avec cette histoire. Je vais pas faire le jeu à coup. Bah, comment je me relève? C'est bon? Allez, relève-toi, Martin. Ah, voilà. Rigolez pas, c'est bon. Rigolez pas, le chat. Oh, pardon, je marche sur les corps, excusez-moi. Horrible. Putain, mais je sais pas l'outil de maintenance. C'est allumé là-haut, c'est bon signe, je pense. Ah, bah voilà. Quelqu'un? Oh là! Pourquoi se cacher ici? Ah! Ici Turner. Turner Harris, comme le pain. Occupé de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Ah. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fruiter que de babysitter des poireaux. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. J'ai pas écouté ce qu'il a dit. Pourquoi il y a autant de sang? C'est de la bave? C'est de la bave? Ou de l'eau? Ah, j'ai peur, arrêtez, j'ai peur! Ça a pas commencé! Non, ça a l'air d'être de l'eau. De l'eau, hein? De water! C'est de l'eau. Alieniste. Ah oui, oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc panique. C'est un test pour voir si vous paniquiez. Personne n'a paniqué, à ce que je vois. C'est un test, les gars. Faut que je vous teste aussi, hein. Parce que je fais des jeux d'horreur. Je peux pas me permettre de vous faire des jeux d'horreur si vous avez peur. C'est pour voir. Martin? J'arrive, Martin. Boule de Noël. Oh putain. Ah! Bah mettons de la musique. Non, non, mettons pas de la musique! Chut! J'avais oublié. Oh là là. Oh putain! Martin! Martin, j'ai besoin de toi. Martin! Martin! Ah putain, y'a pas le courant. Martin! Tends la clé. Psst. Putain. Oh je vois passer là-dedans. Elle est dans les conduits. Ah, j'ai débloqué le succès, elle est dans les conduits. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les conduits? Oh, ça va me tomber dessus là. Oh, ferme-la, hein. Oh non. This is the blood, hein, que je vois là, hein. Martin, j'arrive. Martin, j'arrive. Donne-moi ça. Je voudrais vous mettre une plainte. Mais lâche-la. Je crois que j'en ai plus besoin. Incroyable, laisse mal poli. Je m'appelle Zachary Watson. W-A-T-S-O-N. Vous avez tout? Martin. Très bien. Qu'est-ce qu'il m'a poli par contre, purée. Les putains de Marshall. Allez, donne-moi ça, un petit coup de clé à molette là-dedans. Maintenir. Il y a un truc sur la station avec nous. Hein? Et personne sait ce que c'est. C'était quoi ce truc de... Pourquoi les Marshall? Elle est pas mal celle-là. C'est con. Je veux déposer une plainte. Ouais, du coup c'est Q, c'est pas A. Okay. C'est ce que je me disais. Je te jure, j'ai vraiment peur, mec. J'ai vraiment... Putain, je crie trop. Personne n'est venu. Je me les peine ici. Je crois que cette saloperie marche même pas. Arrête là, j'ai peur. Putain, les gobelets qui bougent tout seuls et tout, c'est le pire bail.
entretien EIST. J'ai peur. Est-ce que je l'ai bien prononcé? EIST. Je me fie. Je vais me. Oh, pardon des propos, je vais me fier dessus, soyons honnêtes. J'en ai marre de faire attention. Là, je panique. Quand je panique, je panique. Arrête là! Eh bien, m'assure que quelqu'un soit responsable. Connard. Non? Sur à cuir, c'est ça. Turner. Tout le monde est toujours mort en bas, ça va? Peut-être que notre ami est juste un peu timide. J'ai peur. Oh, comment j'ai peur! Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. C'est vrai qu'il faut que je save. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. J'imagine. Ouais. Ouais. Y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Là, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une Arrête de gueuler. T'es au courant, il y a un tueur dans la station. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance.